Bon, normalement, tout devrait aller. Allez, c'est parti. Par le fait qu'il me dit que c'est instable. Bon, ça commence bien. Bonsoir à tous. Nous sommes vendredi soir, 1er septembre. Bientôt la rentrée pour les écoliers. Ce soir, comme indiqué, on va s'attaquer à l'intégration continue. Je vais quand même revenir un petit peu sur ce qui s'est passé par rapport à la semaine dernière. Parce qu'au départ, on était potentiellement censé le faire et à part discuter pendant 2 heures et demie, on n'a pas fait grand-chose. Là, ce soir, on va en faire un petit peu plus, mais on va quand même encore discuter un petit peu. Parce que ça y est, je suis sur mon nouveau PC. Je suis sur mon nouveau PC. Grosse babasse qui m'a coûté une blinde. Windows 11. Se mentir. Et jusqu'à maintenant, je n'avais fait que lire sur Windows 11 et j'avais la conviction qu'il n'était pas utile. Ben, j'étais encore loin de la vérité en fait, hein. Mais bon, il est là. Il m'a pas coûté si cher que ça parce que bon au départ alors je le vis bien bonsoir d'ailleurs au passage cher ami je le vis bien je le vis bien il fonctionne on va le dire comme ça maintenant il y a quand même pas mal de choses qui vont pas hein, dans cette histoire hein. Et comment dire? Ah, je gagne des choses parce que par rapport à mon ancien Windows pourri. Oui, bah tu sais, il y en a qui disent bonsoir à partir de 17h, hein, donc c'est pas non plus. Voilà. non, moi il fait quasiment nuit, mais bon, c'est pas. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc oui, Windows 11 fonctionne, hein, y a pas de souci, mais bon, c'est. Je gagne des choses.
Parce que bah, mon ancien Windows, c'était un 18.09 bloqué, parce que c'était du LTSC. Donc il y avait énormément de choses auxquelles j'avais pas accès. Là maintenant, j'ai enfin Windows Terminal. Donc j'ai commencé à faire pas mal de joujou avec. Qu'est-ce que. C'est à peu près la seule chose que j'ai gagnée, parce que tout le reste. Je. Non, y a plusieurs choses. Alors, il y a certaines choses. J'ai choisi volontairement le manque de facilité. Par exemple, j'ai choisi de repartir sur un profil vierge de Firefox où j'ai juste branché mon compte Firefox Sync pour refaire tous les paramètres et surtout certains qui ont juste de la pertinence en 2023 et laisser les autres réinitialiser parce que mon profil commençait à vraiment sentir. Si je dis pas de bêtises, c'est le même profil depuis Windows 7, un truc comme ça, donc ça va faire 10 ans, un truc dans le genre. Et donc à un moment donné, le dossier, voilà, il a accumulé pas mal de petits paramètres à la con, d'installation, de désinstallation, d'extension, etc. Il fallait le remettre, voilà, il fallait lui faire une petite beauté, donc j'ai décidé de repartir sur quelque chose de plat. Et sinon, derrière, honnêtement, je suis encore en train de transférer des choses, des paramétrages d'appli, etc. Mais globalement, j'ai pas trop à me plaindre quand on sait comment faire pour pas perdre de temps. Donc typiquement, pour ceux qui sauraient pas non plus trop comment on fait, alors typiquement là, j'ai tout à l'heure, je me suis fait. Alors, on va basculer, hop, sur le bureau. J'ai basculé, j'ai récupéré ma config Joplin, donc pour la prise de notes. Et bah, il se trouve en fait que. Alors, il faut aller chercher un petit peu, parce que j'avoue, la première fois, alors pareil, c'est l'autre, voilà. Donc en fait, le E, c'est mon ancien SSD qui est branché sur un petit adaptateur. Bonsoir Shafik. Encore un collègue de travail, Shafik. Et donc oui, voilà, les données de Joplin sont rangées dans un dossier qui s'appelle .config dans l'utilisateur. Alors ça paraît bizarre pour des Windowsiens purs et durs, mais les dossiers .config, on a ça dans tous les. Alors, là, ça c'est là, voilà, sur tous les Linux, en fait, on a un .config qui traîne dans un coin, dans lequel il peut y avoir plus ou moins de choses. Et pour Joplin, eh ben, en gros, ils ont décidé de mettre ça là. Donc il a suffi que je récupère ce dossier-là, que je le copie dans un dossier .config sur le nouveau. Le nouveau disque. Hop, j'installe Joplin, je lance, pouf pouf, j'ai récupéré. Alors, il y a un délire avec la synchronisation. J'ai l'impression, je sais pas ce qui s'est passé. Comme de toute façon, elle était déjà à moitié pétée, on va dire que c'est pas très grave. Parce que de toute façon, il fallait que je la refasse. J'étais même pas sûr de la garder en l'état parce que. Parce que c'était quand même de l'install. C'était quand même un test avec une fonction qui était débarquée en bêta à ce moment-là, qui est toujours très bêta, je crois. Donc bon, on va pas pleurer pour l'instant. Le fait est que j'ai récupéré toutes mes notes déjà, c'est déjà ça. Comme je m'en sers pour l'instant principalement ici, c'était déjà un certain gain de temps. Et j'ai fait la même chose pour plusieurs applications, pour plusieurs autres applications. J'ai fait ça pour TeamSpeak 3. Comme ça, j'ai récupéré directement mon identité, mes paramétrages. J'ai juste eu à repositionner les périphériques parce que bah, forcément, d'une installation à l'autre, il ne détecte pas le casque et le micro comme il faut. Donc il a fallu que je repositionne ça. Mais en dehors de ça, voilà. Puis après, bon, il y a certaines autres choses. Réinstallation de PowerWash Simulator, la synchronisation Steam Cloud s'est fait en 9 fois. Ça m'a bien pris la tête. Et ça m'a très frustré parce que du coup j'ai pas pu jouer tout de suite au moment où je l'ai réinstallé, donc ça m'a un peu bassiné. Et non, après sinon Windows 11, comment dire? On revient en arrière sur certains paramétrages comme la barre des tâches par exemple. Moi ça fait depuis
Quand est-ce que depuis 2011, à peu de choses près, que je mets la barre des tâches à la verticale sur la gauche de l'écran pour avoir toute la verticalité pour moi. Enfin, pour les fenêtres et notamment le navigateur. Là, vous pouvez plus, en 2023. It's not a bug, it's a feature. C'est quand même bien chiant. Enfin bon, voilà. Globalement, sinon, j'ai pas grand-chose à en redire. Le PC est rock solide pour l'instant. En une semaine, j'ai juste eu un délire. Je sais pas si c'est un bug avec la prise ou si c'est un bug avec le câble ou je sais pas trop. J'avais branché mes deux écrans sur deux prises l'une à côté de l'autre au niveau de la carte graphique. Et j'ai mon le plus vieil écran, donc celui le secondaire, qui est 4K au passage, mais bon, c'est pas trop catastrophique pour cette carte-là, qui avait tendance parfois à ne pas s'allumer comme il faut. Enfin, je sais pas, il détectait pas bien le signal, et du coup il me faisait comme si je faisais débrancher, rebrancher. Ça générait des gros freeze au niveau du PC, c'était un peu dégueulasse. Puis bah forcément j'avais pas d'image. Ça m'a un petit peu fait paniquer parce que je me voyais pas spécialement streamer ce soir si j'avais pas eu ça. Et là, tout ce matin, non, hier soir, j'ai tenté, j'ai dit ok, je débranche et je branche sur une nouvelle prise. Parce qu'après tout, j'en ai trois. Voilà, on verra ce que ça donne. Et là, ça fait 2 jours où ça démarre sans problème. Donc, pour l'instant, je touche du bois. Le bureau est encore en bois. Donc voilà, on verra bien. Donc en dehors de ça, non, qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai vu de rigolo? Ah oui, il y avait. Bon, je me suis fait un peu troller par mon installation pour ceux qui ont vu. Quand on avait fait l'installation de Calico sur le cluster Kubernetes, donc le plugin réseau. Le paramétrage par défaut de la méthode d'installation qu'on avait choisie nous bloquait les connexions au réseau local parce que c'était le même range d'IP qui était utilisé. Enfin, ça couvrait par-dessus le range d'IP par défaut de mon réseau local. J'ai failli pouvoir troller sur Denis. Parce que lui, il vient de tester, il a partagé un article sur l'installation rapide de Cilium, avec Helm d'ailleurs. Et il parle pas du tout de la configuration par défaut. J'ai failli pouvoir le troller jusqu'à découvrir que le range par défaut qui est déployé sur. Alors, oui, tiens. Truc que j'oublie de faire à chaque fois avant de démarrer le live. Hop, le zoom pour vous. Hop, voilà. Et comme j'ai changé le zoom, il va pas vouloir me le changer. Donc voilà. Et en fait, ici, c'est 10, 0, 0. Donc c'est pas le même range que celui qu'on a là, sur la plupart des réseaux locaux. Donc, on a moins de problèmes avec cette install-là. Après, j'ai pas été voir le chart de Calico. Si ça se trouve, le chart de Calico, il fait la même chose. Il déclare un range en 10 pour être peinard. Bon, on verra bien. De toute façon, il y a des chances que je le réinstalle Calico. On a vu comment ça marchait. C'est vraiment quelque chose qu'on peut déglinguer, réinstaller plus ou moins comme on veut. Alors, ça dégage les pods quand ils sont encore en train de travailler, mais c'est facile à remplacer, à mettre en place. On a vu que ça posait pas trop de problèmes, surtout qu'en plus j'ai plus besoin de redémarrer le service maintenant, globalement. Donc, même si j'aurais plutôt tendance quand même, vu que c'est un truc un peu critique, j'aurais plutôt tendance à le désinstaller, redémarrer les nœuds sans réseau et à réinstaller un nouveau réseau, histoire d'être peinard, pour être sûr qu'on fasse bien le ménage de tout ce qui est firewall en local. Du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, ça c'est ça, qu'est-ce qu'il y a? Oui, je me suis regardé du coup, maintenant que j'ai un WSL2, que je peux enfin refaire de la conteneurisation comme il faut sur un gros PC, et que des fois, faire des choses dans Kubernetes directement, ça va être un peu lourd. Je prévois de tester Podman. Alors Podman, c'est quelque chose qu'on avait déjà quelque part dans la liste par là.
notamment pour faire du mumble. Sachant qu'au départ, je voulais parler de démarrage auto, de test manuel, etc. Parce que je voulais le faire sur la machine qui doit remplacer celle qui héberge mon Mumble actuel. Donc la fameuse Debian 8 qui traîne encore et que j'ai toujours pas déglingué. Donc je me garde ça dans un coin. Qu'est-ce que je voulais. Ouais, j'ai vu ça aussi. Apparemment, on a une image. Une image Cloud Init qui permet de faire du FreeBSD. Ça, c'est cool. Donc je me demande si un jour je testerai pas ça. Je me la mettrai dans un coin histoire de l'avoir sur Proxmox. Ça permettrait de commencer à faire des choses. Ah si, oui, j'ai eu un délire en parlant de WSL2. J'ai voulu tester parce que en discutant avec je sais plus avec qui je discutais. Le WSL2, on peut lancer des applications graphiques directement. Sur l'installation précédente, j'avais dû installer un serveur X, un truc un peu énervé, sous Windows, et que je fasse des réglages pour dire de démarrer des applications graphiques, etc. Ça a été un peu lourd. Là, il n'y a plus besoin, puisqu'en fait, on a directement un mode qui s'appelle WSLG, qui permet de lancer les commandes, les. Du coup, des applications graphiques depuis votre installation WSL. Alors, c'est pas beau. Et en plus, c'est. Alors, je sais pas comment ils ont défini ce mode de fonctionnement-là, mais en gros, l'idée, c'est qu'ils utilisent un serveur Wayland avec Weston en compositeur de référence. Et quand vous lancez des applications, soit elles supportent Wayland nativement, et dans ce cas-là, ça tourne mode Wayland direct. Ou alors c'est des applications qui tournent encore avec X11. Et du coup, ça va lancer X-Wayland. Et pour accéder, pour afficher les fenêtres dans Windows, en fait, donc le Wayland et le Weston tournent dans un système à côté de WSL. Enfin, à côté de votre installation classique, donc moi c'est Ubuntu 22.04, hein, j'ai pas réinventé la roue. Et donc en fait, ce système-là, pour y accéder, pour vous afficher les fenêtres sur le bureau de Windows, ça utilise du RDP. C'est complètement barré comme système. Mais à ma grande surprise, ça fonctionne. Le seul problème que j'ai eu, c'est que quand j'ai lancé, donc j'ai testé en installant Firefox. Et la première fois que j'ai lancé Firefox, eh ben j'avais le clavier en QWERTY. Sachant que mon clavier est en AZERTY, évidemment, hein, parce que j'allais pas non plus me faire mal à ce point-là. Donc ça m'a un peu surpris, mais voilà. Alors il y a des issues qui sont ouvertes pour. J'ai fouillé un petit peu, j'ai fini par trouver les commandes qui indiquent de passer en mode système route pour aller modifier la configuration de Weston. Et puis en fait, non, pas forcément besoin, parce que ça, c'est que pour les applications Wayland natives. Si vous êtes dans une configuration X-Wayland, donc en mode de compatibilité. Faut directement taper set xkbmap et donc du coup c'est ce que j'ai dû rajouter dans mon bash aliasing. Voilà, je l'ai mis là. Et comme ça, j'ai du coup le clavier français dans les applications. Donc ça reste encore très bricolage hein, pour avoir des trucs qui fonctionnent. Mais en tout cas, voilà, c'est déjà quand même un setup qui est plus simple que ce que j'avais dû slash pu faire. Parce que en fait j'avais carrément sur l'ancienne installation, donc j'avais installé le serveur X, et après j'avais créé un script WBS qui me lançait directement Terminator à travers mon WSL, qui du coup s'affichait via le X serveur pour avoir un terminal qui soit pas dégueu. Donc je troll un peu sur le fait d'avoir du Wayland slash X Wayland avec du RDP par-dessus, mais en fait je faisais des trucs à peu près aussi dégueulasses de l'autre côté. Et au final, bon bah les deux marchent. Honnêtement, un Windows Terminal, alors Microsoft restant Microsoft,
J'ai installé une seule Ubuntu 22.04 et j'ai deux entrées dans le menu. Il y en a une qui s'appelle Ubuntu 22.04 avec un petit logo Linux. Et l'autre qui s'appelle Ubuntu.22.04.04.2 LTS avec le logo Ubuntu. Et en fait, la seule différence, c'est la même installation, hein, je tiens à préciser, c'est si on lance les deux. La principale différence, quand on va voir les différents profils, c'est que. Alors, ça va être écrit assez petit pour vous, mais malheureusement, je pense pas que je puisse zoomer. Non, je suis désolé. C'est que là, ici, la ligne de commande pour exécuter le profil, ça va être WSL-D Ubuntu 22.04 dans le cadre du Ubuntu avec le petit UX. Et pour le Ubuntu 22.04, c'est directement un binaire qui s'appelle Ubuntu 22.04.exe qui doit faire à peu près la même chose. Mais au niveau de Windows Terminal, comme c'est des profils différents, ils n'ont pas les mêmes couleurs, ce qui fait que bah, là, j'ai lancé le Ubuntu 04 avec mon TUX. Et là, quand je lance le Ubuntu, j'ai les couleurs Ubuntu. Voilà. C'est. Bon. Mais bon, ça marche. Voilà, on va pas se plaindre, ça fonctionne. Et ça va pouvoir faire le travail ce soir, normalement. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, du coup, qui dit nouvelle installation et. J'ai voulu tenter d'installer l'application pour gérer la configuration de mon clavier, parce qu'en fait, quand j'ai changé de clavier, donc le Asus, je ne pouvais pas installer l'application parce que il voulait absolument que ce soit du Windows 19.03 ou plus. Donc je ne pouvais pas installer l'application, ce qui fait que j'avais le clavier en configuration par défaut. Il y a quelques raccourcis clavier qui permettent de dire coucou, ce sera une couleur fixe ou ce sera un truc défilant, etc. Donc moi je l'avais mis en couleur fixe hein, parce que mon clavier c'est pas un sapin de Noël donc je n'ai rien à foutre. Je voulais quand même pouvoir paramétrer la couleur comme j'avais avant. Et j'ai voulu installer les applications Asus. Qu'est-ce que j'ai pas fait là? Alors, j'ai lancé l'installation, ça m'a installé. Donc là, il y a trois morceaux, il n'y a pas de taille, mais ça correspond aux trois modes du clavier. Parce qu'en fait, le clavier peut fonctionner en USB-C, avec un dongle de Giga 4 et en Bluetooth. En fait, j'ai un petit sélecteur à l'arrière du clavier, à côté de la prise USB pour le brancher sur le PC, qui permet de changer le mode. Parce que le clavier, il est sans fil, normalement. Et ensuite, ça ajoute le live service. Ensuite, ça ajoute le game SDK qui, manifestement, s'est mis à jour aujourd'hui. Tiens, je ne savais pas. Ensuite, l'aura service. Donc, ça, c'est pour tout gérer tout ce qui est RGB. J'en ai absolument rien à foutre. Plus un add-on, plus un autre add-on en 32 et 64 bits. Plus un framework service. Plus un light service. Plus l'application elle-même qui fait, accrochez-vous, 1 giga. Tout ça pour que je puisse mettre la couleur rouge sur mon clavier. Ah, en vrai, l'application elle est très complète, hein, mais en gros, l'application n'a vraiment d'utilité que si vous êtes dans l'environnement complet, quoi. Voilà. Et du coup, je sens que je vais tester dans pas longtemps. Il y a une alternative qui s'appelle GHelper. Qui permet de faire le boulot, mais avec une application qui est beaucoup plus légère, qui n'a pas besoin de ce million de services slash dépendances. Il y a quand même 2-3 trucs qui, a priori, sont nécessaires, j'ai vu ça. Il faut quand même installer un minimum de choses, on n'a pas trop le choix. C'est le Asus System Control Interface V3. Bon. On verra si ça marche ou pas, si je l'ai déjà ou pas. Mais c'est chaud. Donc voilà, grosso modo. Donc sans plus attendre, ça fait bientôt une demi-heure. On va tester l'intégration continue avec Drone. Bon, du coup, je sais pas trop, je vois Rowan, je vois Shafik dans le chat, je sais pas trop qui y a d'autres pour savoir si je dois expliquer dans le détail, enfin dans le détail, les grands concepts de l'intégration continue. Et du déploiement continu par extension, même si c'est pas forcément ce qu'on va tester ce soir, parce que mais le concept est le même.
Je sais pas si on a une vue d'ailleurs sur Twitch qui permet de savoir qui est dans le chat. Est-ce que... Je vois des spectateurs là. Ok, non, bah écoutez, hop. On va quand même expliquer. Donc l'intégration continue consiste à dire que quand on gère son code et à chaque fois qu'on veut, quand on veut mettre son code en production, on passe d'abord par toute une série d'étapes de validation, de contrôle, parfois simplement de compilation, etc. en fonction des langages. Et on va pas se mentir, faire ces choses à la main à chaque fois, c'est casse-burne. Et fort heureusement, on est dans un domaine informatique qui est que comment on peut automatiser plein de choses. Donc l'intégration continue consiste à dire que maintenant, avant, on faisait parfois des semaines de développement et on faisait une compilation, un test, et après on livrait, ça pouvait être très long, etc. Là, l'idée, c'est d'automatiser énormément les étapes qui permettent d'arriver jusqu'à quelque chose qu'on peut livrer en production. Et ça repose notamment sur la gestion de version du code. Hein, moi, en l'occurrence, ça va être du Git, mais avec mon Gitty, mais ça peut utiliser n'importe quel système de gestion de version. Donc l'idée, ça va être à chaque fois qu'on va pousser un changement, on va directement déclencher tout de suite et de manière automatisée les tests, plutôt que de les faire à la main, pour aller parfois jusqu'à ensuite. C'est pour ça qu'on parle souvent de CI/CD, donc on a les deux, donc intégration continue et déploiement continu. Parce qu'en gros, on va aller. Avant, pour livrer une fois tous les 36 du mois, il fallait un process de ouf. Là, on part du principe que on développe un truc, on le pousse, il est compilé, filtré, testé, et après déployé automatiquement. Et maintenant, du coup, on est rentré dans un mode de fonctionnement comme ça, où vous pouvez avoir plusieurs livraisons par jour d'une même application sans que vous le voyez, hein, quasiment. Alors qu'avant, ça prenait des jours pour valider une version à déployer. Il y a des situations où c'est toujours le cas, parce qu'après, ça va dépendre de l'architecture de votre application, ça va dépendre de la criticité, de la disponibilité que vous voulez, etc. Mais voilà. Donc l'intégration continue, c'est le fait d'automatiser et d'exécuter de manière quasi systématique toute une suite de tests, que ce soit des tests fonctionnels sur votre code. Pas très bon en développement encore, mais en gros, en fait, maintenant, quand on développe son application, elle est souvent découpée en fonctions, classes, etc. Et en fait, vous allez créer des tests qui vont exploiter ces fonctions et ces classes pour vérifier que ce que les classes font, c'est bon. Donc, en dehors de l'application, c'est-à-dire qu'on crée des tests exprès pour tester juste ce morceau-là, juste un morceau. Il y a même un mode de développement comme ça qui s'appelle le test-driven développement qui consiste à dire on va créer les tests avant même de créer le code. Donc en gros, c'est vous commencez par définir les tests qui doivent valider comment doit fonctionner votre code avant de commencer à écrire le code. C'est particulier, moi j'en suis pas là hein, parce que on est vendredi, il y en a certains qui diraient tester c'est douter. Voilà. Et donc, dans les gros acteurs qui font de l'intégration continue, on a pour ceux qui l'ont vu passer en entreprise, on a Azure DevOps, Microsoft, qui est un monstre qui fonctionne, hein, il n'y a pas de souci, mais qui est quand même un gros monstre et qui bah, aussi est pas donné d'ailleurs parce que c'est payant. Et c'est très lié à tout le reste des intégrations, Microsoft, Azure. Microsoft 365, Azure, enfin voilà. Ensuite, on a GitLab CI, qui a l'avantage de pouvoir être utilisé à la fois sur GitLab.com,
et en mode auto-hébergé quand on héberge soi-même GitLab et les runners. Et GitHub Action, puisque avant, enfin historiquement, GitHub reposait intégralement sur ses CircleCI, je crois. Quoi? Non, 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 non. Hop. Donc voilà, CircleCI qui est notamment bien intégré dans GitHub. Alors après, maintenant, GitHub a introduit le concept de GitHub Action. Donc vous pouvez créer directement des actions d'intégration continue, voire de déploiement dans GitHub sans passer par un service tiers. Puisqu'avant, bah, CircleCI, c'était un service tiers. Bah, c'est toujours un service tiers, d'ailleurs, il fonctionne toujours. Après, c'est juste que maintenant, bah, GitHub met en avant GitHub Action. Alors qu'avant, il mettait en avant CircleCI. Bon. Voilà. Et d'ailleurs, GitHub Action a été repris comme modèle dans Giti pour faire les Giti Action. Ça avait été évoqué tout à l'heure sur X slash Twitter. Oui, bon, ça va. Et donc maintenant, voilà, c'est une syntaxe qui est très proche, voire identique de GitHub Action. J'ai pas envie de tester ce soir. J'avais envie de tester un truc un peu plus complet pour la bonne et simple raison que dans certaines choses que je vais vouloir faire dans Drone qu'on va introduire dans un instant ne risque de ne pas être possible avec GitHub Action, enfin le Giti Action avec le runner de Giti Action. Donc, que je testerai, enfin, je testerai peut-être hein, à un moment donné, ça pourrait même être complémentaire. Puis ça me permettrait de pratiquer un petit peu un truc que je connais pas du tout, encore une fois. Mais en l'occurrence, voilà, c'est pas au programme. Donc ce soir, hop, je vais fermer tout ça. Drone. Drone, c'est donc un petit système qu'on déploie à côté de sa forge logicielle, en l'occurrence un Giti. Et c'est deux systèmes qui sont assez légers et qui sont souvent déployés ensemble en alternative aux gros monstres que sont GitLab CI ou d'autres systèmes alternatifs type Jenkins, etc. Et qui reposent sur le même concept, hein, c'est-à-dire qu'on va, dé on va définir un fichier. De configuration qui va décrire les étapes qui vont être exécutées par drone dans notre dépôt pour faire ce qu'on a besoin de faire. Du coup, on va quand même avoir potentiellement plusieurs choses à faire. Et évidemment, il faut qu'on commence par l'installation. Pour l'installation, alors je vois une intégration avec Giti. Donc le serveur est disponible en tant qu'image. Et nous, on va regarder pour si possible, déployer. Est-ce qu'on a un chart Helm? Ce serait bien qu'on ait un chart Helm parce que là c'est la version drone. Si je pouvais m'éviter l'installation, ce serait cool. On n'a pas un autre registration, administrator. Non, c'est pas ça. Tac, certificate, on en viendra. De toute façon, c'est a priori. Pour moi, c'est. Comment dire? Ah! Je vais y arriver, hein. C'est Trafic qui va gérer tout ça.
Voilà. Bah du coup, on a la doc. On est déjà sur la doc, hein, il me semble. Drone.io, et là on est sur doc.drone.io. Oui, tout à fait. Alors, du coup. Hop, on va fermer ce qui nous sert pas. Et je pense que je vais déplacer ce que je vais garder de côté pour la prochaine fois. Comme ça, on va regarder qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir. Hop. Ça, j'en parlerai après. Ça, je peux fermer. Hop. Alors, on a besoin du coup de Helm. Alors. Ah, ça, j'ai peut-être pas recopié les. Ah, mon Dieu. Ah. Ok, bon. J'ai pas recopié le dossier de conf, du coup. Hop, c'est pas grave. On va faire ça. Helm repo add, Helm repo update. Comme ça, on va récupérer tout ce qu'on a. Ensuite. Donc, a priori, le chart drone. Il est là. Il faut qu'on commence par créer un secret. Donc en fonction des secrets, donc on a besoin. Là on a l'installation de référence, on a toutes les variables, ok. Et on va avoir besoin des variables Gitti, on va avoir besoin du token, ouais, ok. Du coup, en vrai je peux garder ça, mais je vais le faire comme ça. Parce qu'il me semble qu'en plus que. On avait fait un user, mais je crois que. Non, ça c'est moi. Site administration. Oui, je sais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave. Fallback will has been removed in 1.19. D'accord, bon, je verrai plus tard. Hop, ça nous empêchera pas de bosser. Et j'avais créé un compte dédié. Et le problème, c'est que on n'a pas de mode impersonation pour créer le token sur le. Bon, pour ce soir, on va créer le token sur mon compte. C'est pas très grave. Hop, on va cliquer ça. Alors, si je fais edit, on a quoi? User account, lock, authentification, source locale, visibilité publique, d'accord. Non, tant pis, ça va être quoi? Application. Ça va être là-dedans. Créer une nouvelle application. Confidentiel client. Select for apps that keep the secret. Ok. Du coup, on va lire un petit peu quand même avant. Donc, il nous dit, on va créer un secret qui s'appelle. On va créer le namespace déjà, on va le faire exprès. On va le faire. Je l'avais supprimé quand on avait fait la montée de version du cluster, mais je vais. Je vais dégommer le. Je vais refaire le namespace. Donc, on va créer le namespace, on va créer le secret. On va le mettre autrement et puis on va aller chercher on va aller se créer tout ça. Et après on va se faire un fichier values à partir du fichier values du chart pour ensuite déployer notre Ouais, il n'y a rien de compliqué. Enfin, il n'y a rien de compliqué. L'installation de base, c'est du Helm. Donc, en gros, vous lui donnez l'information. Vous lui dites dans quel namespace. Vous lui filez le fichier de values et roulez jeunesse. Du coup, on va regarder le fichier values.
Le fichier values. J'arrive pas à voir si c'est petit pour vous. Est-ce que je dois grossir encore un peu au niveau de GitLab? Ça a l'air quand même assez petit. Hein. Est-ce que c'est suffisamment lisible pour vous? Est-ce que je peux. Ou est-ce que je continue comme ça? Parce que moi, pour moi, hein, l'écran, il est géant, donc je suis en 27 pouces. C'est juste que j'ai fait un peu de. Déjà, vous, j'ai resize la sortie pour que ce soit du 1080p. Ça a l'air un peu. Ah ouais, quand même, sur un écran de 14 pouces, ça fait un peu petit. Donc peut-être que. Allez, on va monter un peu. Hein. On peut se permettre de monter bien, je crois. Hein. Oui, voilà. Et donc on a quand même une série de valeurs par défaut à utiliser. Bon, ça, plus les variables d'environnement qu'on va changer avec le extra secret là. Et du coup, on va pouvoir. J'essaye de regarder si on peut ce qu'on a comme. Persistant de volume, extra volume. Non, en fait, de toute façon, ça va être le. Alors, normalement, voilà, on va pouvoir déclarer la storage class. Ça me va. Puisqu'en gros, j'ai un. Ouais, je m'en doutais un peu. Hein. Il faut pas hésiter à le dire. Hein. Faut pas avoir peur de me molester s'il y a besoin. Donc on va pouvoir paramétrer le stockage parce que moi j'utilise un provisionneur NFS, donc on va pouvoir créer le stockage avec la bonne classe en le mettant en read-write-many, comme ça on aura le bon truc. Je vais peut-être m'amuser à créer une ingress rule standard pour voir comment Trifix s'en sort avec. Sinon on s'emmerdera, on poussera une ingress route à côté, à la place, c'est pas très grave. Donc ouais, on va le faire comme ça. Alors, par contre, plutôt que de copier-coller, on va faire un peu de commande helm. Alors déjà, on va retourner dans Kubernetes. Ah, j'ai un petit délire avec la. Comment? J'ai un petit délire avec la. Comment? Avec la police, il manque des caractères là. Bon, on verra plus tard. Je pense savoir pas comment il faut changer, mais ou quoi mettre à jour. Bon, c'est pas grave. Ça va pas nous empêcher de bosser. Du coup, on va se créer un dossier drone. Bon, enfin, vu que le dossier est vide pour l'instant, il n'en tient pas compte, c'est normal. Du coup, comment je fais? C'est helm getValues. Ça va être un drone slash drone, puisque le. Si on a vu le. On a vu l'installation. Alors on va faire search repo drone. Drone Docker Runner, drone runner cube. Ah et en plus on a du runner cube. Oh là là. Pour lancer des builds. Ouais, mais je crois qu'il n'est pas dispo pour. Il n'est pas dispo pour ARM, donc je pourrais pas l'utiliser. Bon, on verra bien, mais je pense que c'est pour ça que j'avais cherché une solution alternative. Du coup, ça va faire helm get values. Et souvent, c'est drone slash drone. Ah non, non, il veut un redevining. Alors, ça va être quoi? Ça va être show values. Voilà. Et du coup, on va créer le fichier values drone.yaml. Du coup, maintenant, alors, j'ai vu qu'en théorie, maintenant, je pouvais gérer. Un folder de Ubuntu 22.04 directement depuis
Windows. On va voir comment ça marche. On a dit K3S Platform, Kubernetes, et c'est Kubernetes. Et du coup, je vois pas mon dossier drone. Ah! Je vois pas le dossier drone que j'ai créé. Ouh. Et en plus, il m'affiche des choses là qui sont un peu... C'est bizarre ça. Et ça me rassure moyennement du coup. Bon bah tant pis, on va le faire avec Vim. Je vais pas prendre de risque. Ça, je vais vous grossir ça aussi du coup. Hop, alors. Bon, on verra bien. Il y a quand même un truc qui me surprend un peu dans l'histoire. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Pas la messe. Oui, alors, le drone. Alors, on veut... C'est quoi? Les host alias. On n'en a pas besoin. L'image, elle reste comme ça. Alors du coup, comme c'est notre fichier perso, tout ce qu'on n'a pas besoin d'utiliser, on va le déglinguer. On le vire. Le name et le full name override, on n'y touchera pas. Le service account, on va le laisser. Est-ce que je vais mettre des annotations? Non. Le nom. Full name, template, oui, on va le laisser comme ça. On va juste garder l'option explicite de créer le truc. L'automon service account token, on n'y touche pas. Le pod security context. Je vais me garder les options, mais pour l'instant, je ne vais pas y toucher. L'update stratégie, par défaut, c'est du rollout. Je pense pas qu'on va y toucher. Ah, quoi que, par défaut, c'est... Alors, il n'y en a pas. Bon, ok, c'est pas grave. On va le virer du coup. Hop. Le service, on n'a pas besoin d'y toucher, on va le virer. L'ingress, donc l'ingress, on a dit qu'on allait le garder, on allait la prendre. La class name, bonne question, la class name. Tiens, j'ai plus besoin de ça, je vais fermer. La class name. C'est Trefic. Ok. Je vais la mettre de manière explicite. Hop, c'est vrai que c'est là. Ok, le tabulation fonctionne bien. Les annotations, on va garder ça. Alors, oui. Ça, vu que ça va être exposé, on va faire ça. On fera peut-être un petit passage par la zone DNS parce que je suis pas sûr.
On va mettre ça. Les ressources limites pour l'instant, je vais pas en mettre. Note sélecteur, tolération. Je vais les garder. Les affinities. Alors, c'est extra volume, j'en ai pas besoin. Extra container, on n'en a pas besoin. Par contre, ça, on en a besoin. Ça, on va le passer en read-write menu parce que c'est du NFS, donc on va pas s'emmerder. On va garder l'option des annotations. L'existing claim, de toute façon, hop, on n'y touche pas. La size, on s'en fout parce que c'est la taille du NFS. Donc, c'est le. Comment? C'est mon as. Voilà. Du coup, la classe NFS client new. Hop. Voilà, pour être sûr qu'il aille créer le truc. Le volume mode, non, ça on n'en a pas besoin. Le subpass, on n'en a pas besoin. Hop, parce qu'il va créer automatiquement. Qu'est-ce que là on a aussi? Si persistant de volume à false, drone will mount an empty dir. On a un persistant cette roue donc. Trou, hein? Oui. Donc. Pas d'informations. Ok. Ensuite, si on veut passer, machin, instead of. Ok. Donc l'extra secret, c'est ça. Donc on va l'en. Oh là, ça va. Si ça va passer. Est-ce que ça va passer? Ça comme ça. Ça, on va virer ça parce que sinon il va garder la liste vide et on va se prendre une erreur. On va l'appeler juste le drone secret. Et là, alors. On a dit le host, ça sera celui-là. Le protocole, c'est du HTTPS. Ensuite, ça, on va le foutre dans un secret. Ensuite, ah, intéressant, intéressant, intéressant. Est-ce qu'on fait ça tout de suite ou est-ce que je refais ça plus tard? En gros, par défaut, il va utiliser du SQLite qui va être stocké dans le slash data du volume qu'on va créer. Mais on a la possibilité d'utiliser un autre. Un autre système de base de données. Et par exemple, je pourrais créer, vu que j'ai un MySQL qui traîne sur le serveur, je pourrais créer une base de données drone sur. Sur le MySQL. J'ai envie de le tenter. J'ai envie de le tenter. Clairement. Parce que pourquoi pas. Alors par contre là, si je fais une connerie, ça va me sauter à la tronche. Donc le driver MySQL. Et du coup, on va créer. Alors je sens que ça va être. Param égale value, d'accord. Donc là, le truc qu'il propose. Alors non, ça va être comme ça. Je sens que ça va être d'une sécurité folle, c'est-à-dire qu'on va faire ça. Là, par contre, ça va pas être lippé. Ça va être comment je l'ai appelé le namespace de. Il s'appelle MariaDB dans le namespace MariaDB. Donc ça va être. Hop, raté. Ça va être MariaDB 2.
.mariadb/drone. Donc, on va aller créer la base de données drone avec l'utilisateur drone et le mot de passe drone, parce qu'on est rigolo et qu'on aime bien les drones. Ensuite, if you are going to store build secret in the drone database, it suggests that you set the database encryption secret. Oh, intéressant. Intéressant, intéressant. Ouais, on va tenter ça. C'est quoi l'idée? Tac, 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 on crée un truc comme ça. Et après, on le balance dans la variable. Ouais, bah allons-y. Allons-y, allons-y, on va le tenter comme ça. Hop, ça marche ça? Ouais. Du coup, on fait ça. Oula. Hop, on le fait comme ça. Je vais rajouter des guillemets un peu partout parce que ça me. Je veux dire que ça me stresse un peu de pas mettre de guillemets, mais voilà. Ensuite, tac tac tac. If you are using self-hosted GitHub or GitLab, you need to set this to true. Donc ça parle d'authentification Git. Ouais. Ensuite, on a quoi? Provider directive select one. Ah oui, donc c'est là où on va coller Gitty. Voilà. C'est là où on va coller Gitty. Donc on va avoir besoin de coller. Je ne sais plus comment ça marche. L'ID, je ne sais plus comment on fait. On avait déjà la. Je crois qu'on avait déjà hein, ça, non? Oui, c'était la première qu'on avait mis là, mais c'est pas grave. On va créer le hôte et après le client ID. Donc ça c'est d'accord. Donc ça c'est quand on va créer le quand on va créer l'application. Bon c'est ça, hein, c'est create no hôte. Consumer key and secret key, ok. Confidential client et ça du coup ils nous le mettent. D'accord. Donc ça va être rattaché à notre identité. Ouais. Allons-y. Donc on va l'appeler drone. Redirect URI, je ne sais plus ce que c'est. Un truc comme ça. Redirect URI, ouais, slash login, c'est ça. Hop. Et donc ça va nous filer un client ID, un client secret qu'on va récupérer et qu'on va mettre dans la conf. De toute façon, je vais tester le truc et pour ce soir en direct, je vais pas me faire chier. J'ai bon, ça fait beaucoup trop de trucs à masquer, donc je vais le faire à l'arrache comme ça. Et ce sera déglingué tout à l'heure après la fin du live, histoire de. Hop, donc le client ID, le client si. Oups, raté. Le client secret. Hop. Et du coup, dans la conf, le Gitty serveur, il faut mettre l'URL avec le protocole. D'accord. Git.cboss. Hop. Et c'est à peu près tout ce qu'on a à indiquer, ce qui veut dire que ce que je pensais faire. Sur l'authentification, ce sera à faire une fois que drone sera déployé. Bon, alors du coup, on va faire un petit save, voilà, comme ça j'ai tout ce qu'il faut. Il faut que j'aille faire une vérif au niveau du domaine. Hop.
Ah, le téléphone. S'il vous plaît, OVH. Hop. Qu'est-ce que c'est? Machin, continue sans accepter. Alors, nom de domaine. C'est bon, 666.ovh. J'ai pas encore refait le coup du code Terraform pour gérer les zones DNS. Faut vraiment que je refasse ça comme il faut. Comme ça, je peux l'utiliser, le partager. J'ai pas grand-chose. Ah oui, non, mais j'ai pas fait. Je dis que j'ai pas grand-chose. J'ai rien dit. Par contre, il y a beaucoup trop de choses et il y a des trucs qui servent. Ah oui, non, mais il y a les trucs par défaut aussi là-dedans qui servent à rien. On va reprendre le modèle de Git. On va ajouter une entrée. Parce que, vérifier quand même que j'ai pas déjà. Non, j'ai pas déjà. Hop. On va ajouter. C'est un CNAME. Il s'appelle drone. Il pointe sur chez moi. Ce domaine-là étant un DNS dynamique. Et là, je vous renvoie vers ma chaîne YouTube où je présente ce que j'ai fait. Pour remplacer mon DD client par un cron job Kubernetes. Hop. Validé. Du coup, il a mis 0, donc ça va être le TTL par défaut de la zone qui est de 3600. Bon, de toute façon, ça bougera pas beaucoup, mais c'est le genre de truc qu'il faudrait changer. Bon, ça va, ça propage assez vite. Du coup, qu'est-ce qu'on avait dit ensuite? La base de données, avant de démarrer. Alors, du coup, kubectl, on va faire du, on va le faire à la main. À la mano. Alors, kubectl exec-ti deploy. Je vais mettre le -n d'abord. -n MariaDB deploy slash MariaDB. Je crois que je l'ai fait comme ça. J'ai dû le faire comme ça. I have no name. D'accord. Ensuite, MySQL-p route. Non. U route-p $MySQL password parce que j'ai dû le faire comme ça. Tada! Bon bah puis là c'est du MySQL hein, pour ceux qui connaissent. Oh bah dis donc, il y a déjà une base drone. Bon par contre elle doit être vide. Oui, c'est ça. Il y a déjà un utilisateur drone. Je tenterai vraiment ça? Ah oui, voilà, donc c'est pas le bon mot de passe. du coup, on va repartir en route. On va faire. C'est quoi? C'est update user drone at 1 set password égale. Ça va être comme ça. J'avais mis drone hein, pour la sécurité. Je crois que je l'avais fait comme ça. Oh mon Dieu! Alors déjà, est-ce que j'étais jusqu'au bout? Oui, il a tous les privilèges sur la base. Oh, je le fais tellement souvent. C'est directement set password. D'accord, ok.
set password for drone at 1 machin. C'est quoi la syntaxe? Égal. Password de drone. Ok, et donc maintenant, si on fait ça, ça marche. Ok. Bon, bah voilà, on a ce qu'il nous faut. On va donc maintenant. Il nous faut quoi? Il nous reste kubectl init namespace drone. On va faire ça. Donc, on a notre QE. Et il me reste la partie secret. Qu'est-ce qu'on voulait faire? Qu'est-ce qu'on voulait. Oui, en fait, les valeurs que j'ai rajoutées pour la. Le... Ah mince. En fait, les valeurs que j'ai mis là, je voulais les coller dans. Tout ce qui est client, client secret, etc. Je voulais les coller dans le secret. Bon, de toute façon, vu que ça va être refait, vu que je fais la première installation là, comme ça, c'est pas grave. On va y aller comme ça. Elle me... ah oui, mais du coup, le secret n'existe pas. Alors, du coup, c'est le. Il est où? Le extra secret. Voilà. Hop. Insert. Pas besoin de ça. Hop. Voilà. Du coup, Helm. Alors, je vais me faire tout de suite la commande. Helm upgrade-install drone. C'est drone slash drone ensuite. Alors. Si je reprends la doc. Et tirer values. On se tirer F. On peut faire ça. Donc c'est ça. Et tirer N drone. Donc là il nous dit qu'il n'y a pas de. Que le drone n'est pas installé. Hop, il nous dit que c'est fait. Donc là si je fais ça, de toute façon on va se prendre une erreur de sécurité pour l'instant. Je vais sortir K9S quand même à un moment donné, faut pas déconner. On a un drone qui est déjà déployé. Ok, il est déjà démarré. Vache, ça a été vite. Ça dit quoi les logs? Cron scheduler, zombie build reaper. Ok. Start HTTP server. Ok, ok. Ok, ok. Alors, on va faire ça parce que là-dedans, on va aller chercher. L'ingress, il nous dit quoi? L'ingress, il nous dit rien pour l'instant. Il nous dit que drone TLS termine. Ok. L'ingress class, c'est trafic. On a les labels pour dire que ça a été déployé avec Helm. Et j'ai pas le secret TLS. Alors, est-ce que quand on fait une ingress rule classique, il faudrait pas rajouter de la notation pour que Trefic génère le certificat? Trefic ingress rule. Alors, Nyonia, Trifix support Kubernetes 1.14, oui, enabler, machin, provider Kubernetes Ingress, bon, ça c'est là. Ensuite, tac tac tac, là on fait ça. Ensuite, Let's Encrypt support Ingress provider. Ah, alors. Stateless application, gnagnagna, ok, provider configuration, bon, ça c'est fait. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, c'est pas ce qui m'intéresse. Ça c'est bon, ça c'est bon. Label selector non.
Ok, parameter is set only ingresses contain an annotation with the same value. Donc c'est ça, trific. Ensuite on a quoi? Ingress in endpoint. Non mais ça c'est pour la définition. Ce qui m'intéresse, ça va être sur comment on travaille. Ouais, mais ça, c'est ce qu'on a par défaut. Les annotations, les labels. En fait, normalement, on a l'ingress class name, c'est à peu près tout ce qu'on a. Le problème, c'est qu'il faut qu'on lui donne l'information comme quoi il doit stocker, comme quoi il doit générer. Alors, du coup, c'est quoi les annotations? Effectivement. Faudrait que je rajoute ça. Faudrait que je rajoute après, c'est quoi? Cert Resolver, c'est ça? Faudrait que je le fasse comme ça. TLS option. C'est pas la meilleure doc du monde, hein. On va regarder sur ingress route. Le cert resolver, c'est let's encrypt. Donc on va tenter de rajouter des annotations. J'ai Kubernetes. Du coup, ça va être là-dedans. Annotation, c'est là où on va rajouter les trucs. Alors, hop, on enlève ça. Ensuite, on fait ça. Donc on va avoir besoin de TLS Cert Resolver et potentiellement que ça va être suffisant. On va tenter ça. Hein. Mettre sans crypt. Parce que derrière à côté on a quoi? On a juste ça. Hein. On met juste le Cert Resolver et tout le reste on n'y touche pas. Bon, on va quand même forcer le.
Bon, on va essayer juste avec une seule annotation. Hop. On va reprendre la commande. Elle était pas là. Je l'ai faite là. On va s'ouvrir un troisième onglet, on va se mettre CanFS dedans. Bon, j'avoue que visuellement, un peu chaud. Est-ce que j'ai les labels? Ouais, là j'ai la notation. Ok. J'ai mes deux secrets. J'ai pas encore le secret TLS. Qu'est-ce que va me dire Trafic? Alors, il me dit que le secret n'existe pas. Non, je suis d'accord, mais le but du jeu, c'est que tu le trouves. Alors, c'est quoi le délire? Faudrait que je l'enlève. Comment je le fais? Comment je fais? Bon, un coup, et ça fait déjà, il est déjà 22h17. Sinon, vous savez quoi, on va pas s'emmerder, hein. Je fusille l'ingress standard, je verrai plus tard, et puis je fais une ingress route à la place. Je recopie celle que j'ai fait pour Gitti. Parce que je sens que j'ai pas envie de perdre trop de temps. On va le faire comme ça. Hein. On va faire ça. On va. On va faire ça. Le but du jeu, c'est que normalement. On retourne dans le drone et qu'on regarde les ingresses, on n'en a plus. Et je vais. L'ingress route pour la remettre. Hop. Faire un 2.1% slash. Iti slash drone slash g. Hop, voilà, comme ça il écrit drone partout. Avec un web secure qui tape le service drone sur le port. Alors c'est 8080 de mémoire, si j'ai bien vu. Ce qui est quelque chose qu'on va pouvoir vérifier. SVC 8080. C'est vrai que la police là, elle est pas folle hein, pour. Pour le contraste, là, c'est pas fou. Plus, j'ai pas assez zoomé. Hop, voilà, donc le 80, il est là. Oh, puis alors, quand je sélectionne, on voit encore moins bien. Bon. Bon, les couleurs, ce sera encore à retravailler. Hein. Du coup, j'en étais là. On va virer ça parce qu'on n'en a pas besoin. Oula. Ouais, non, si, c'est bon. On vire ça parce qu'on n'en a pas besoin. Le host, par contre, c'est pas Git, c'est drone. Voilà. Et maintenant, on fait un petit SQL apply-f drone ingress route. Donc là, normalement, il va nous avoir. Hop. Créer une ingress route avec un cert. Tada! Et voilà! Alors, du coup, qu'est-ce qu'il nous dit? You will be redirected to your source control management system to authenticate. Eh ben voilà, je pensais qu'on allait le faire à la main, et puis finalement. Donc là, il me dit, est-ce que j'autorise Drone à accéder à mon compte avec le truc que je lui ai passé? Donc je vais lui dire oui.
Bah du coup non, il me l'a pas. Comment je fais? Complete your drone registration. Mon email, mon shop name. Il n'existe pas, mais c'est pas grave. Hop. Hop, company name, il n'y en a pas. Submit. Ok, oui, donc là, par défaut, il voit tous les dépôts. Ok, et bah donc on y est. Il est en train de faire la synchro. Donc je pense que les petits moins qui sont ici, c'est le statut. Non, active only, il n'y en a pas. Repository is not active. En même temps, il n'y a pas de. Il n'y a aucun dépôt avec une configuration. Donc je pense qu'on n'a pas grand-chose à faire. C'est quoi ça? Donc ça, c'est si on veut lancer quelque chose sur drone et ensuite avec les bruits. Bon, les tokens, les machins. Ok. Donc à part le dashboard, on n'a pas grand-chose à faire. Parce qu'après, derrière, on a build, branche, déploiement, settings. Donc il faut. On va déjà créer. On va se créer un dépôt exprès. On va aller voir un petit peu la syntaxe. Parce que honnêtement, j'ai pas non plus trop regardé. Maintenant qu'on a la configuration de base, en sachant qu'il nous manque des choses, hein, on n'a pas le stockage chiffré, des secrets, là c'est que des trucs par défaut que je partage parce qu'on est en live, mais tout ça va être déglingué dès que ce sera fini. Et on peut tenter, j'ai pas besoin de builder, je veux lancer des petites actions simples, mais je vais voir un petit peu comment ça se passe du coup. Alors, on va revenir sur la doc de base. On va faire un petit pipeline. Là, il nous dit que c'est type Docker, on s'en fout. Exec pipeline, c'est quoi ça? Ben voilà, par exemple. Enfin, ça, c'est exactement le genre de truc que j'ai, qui m'intéresse. Oui, drone cloud, mais ça, c'est pas grave. Du coup, créons-nous un dépôt. Créons-nous un dépôt. Créons-nous un dépôt. Ouf. Hop. New repository. On va faire un drone testing. Visibility private. Ok, ça, c'est bon. Template, il n'y en a pas. Nia, nia, nia. README, on s'en fout. Main, signature, default, trust model, repository template, on s'en fout. Hop. Allez, on se clone ça et on commence à faire des conneries. On va s'ouvrir un quatrième. Hein, ça. Je ouvre plein de terminaux, je m'en fous. Clone, et puis on va cloner ça. Alors, c'est parfait. Qu'est-ce qu'il nous dit? Template not found in home, Samsung, machin, templates. Ah, j'ai oublié de recopier ça. Bon, c'est pas grave. Je sais pourquoi, c'est parce qu'il y a un délire avec. Mais j'ai plus besoin de le faire. Oui, voilà. J'avais un truc où il fallait que je change le template. C'était un workaround que j'avais parce que mon Git me faisait un clone directement master ou je sais plus trop quoi. Il y avait un truc pour. Pour forcer la branche par défaut, j'avais fait un truc un peu délirant. Du coup, alors Vim, donc on va faire un README. Voilà. MD. Hop. Test de drone CI. Ça. Et c'est. Le format du fichier, ça va être quoi? DroneCI.yaml, c'est ça? Non, ça c'est la référence. Niveau du chart, c'est bon. La base de données, c'est bon. Le driver, c'est bon. Le chiffrement, on verra plus tard. Ça c'est mon drone CI à moi. Ça, on verra plus tard, mais à mon avis, c'est mal barré. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Du coup, on va revenir au début. Hein. C'est quoi? Quick start. Command line runner, ça va être ça. C'est drone exec. Ouais.
Emulate secrets, non, emulate metadata, non. Hop. Pipeline. C'est .drone.yaml. Ok. Juste. Alors, non, peut-être pas SSH. Juste pour la blague. Alors, on va tester ça. Hein. De toute façon, on va voir s'il est capable de les faire ou pas. Alors, oui, de toute façon, il faudra bien qu'on fasse attention. Alors. Quoi? Non? Pourquoi il fait ça? Parce que je lui demande. Hop. Moi, je suis sur du ARM 64. Faut bien que je fasse attention à ça. Le step s'appelle greeting. Et là, il s'appelle hello world. Bon, on a le truc comme ça. Là, il nous dit quoi? Il nous dit qu'on a deux fichiers. Ok. Allez, point. First test. On va pousser. Bon, là, c'est tout neuf. Du coup, on va lancer une petite synchro. J'ai la synchro. Alors, il est où notre drone testing? Il est là. On active le repository. On va disable les forks. Je ne sais pas ce que c'est. Block pipeline, if YAML signature cannot be verified. On va pas y aller comme ça non plus. Le projet, on va le laisser privé. Qu'est-ce qui nous dit le timeout? Mettre 15 minutes, on va pas s'embêter. Le drone.yaml, le secret, il n'y en a pas. Le cron job, il n'y en a pas. Il n'a pas enregistré, très drôle. C'est normal. On va faire ça. Alors, je sais pas pourquoi il m'a remis là les. Il ne veut pas garder les. On verra plus tard. On n'a pas de build, on n'a pas de déploiement. Hop. On n'a pas de secret, on n'en a pas besoin. Les cron jobs, donc ça c'est pour exécuter les pipelines à intervalles réguliers. Ce qui va. Ça, c'est le genre de truc qui va me servir très fortement quand je vais me pencher sur le rebuild de FreshRSS. Et après, on a des éléments au niveau organisation sur les secrets, les templates, mais on verra plus tard. Ensuite, les branches. Branch list is empty. Ok. Donc on verra quand il aura lancé un premier build. Ok. Là, si je fais ça, la branche c'est main. Paramètres qu'il n'y en a pas, je fais create. Là, on va voir ce qu'il nous dit. C'est celui-là. Est-ce que ça va marcher tout de suite ou est-ce qu'on va pas avoir le choix que d'attendre? Alors pendant ce temps-là, côté Kubernetes, il nous dit quoi? Oh la vache! Ah, il cause, hein? Cause rien du tout. Donc là, on l'a appelé default notre. Ah oui, on l'a appelé default. Hein. Ok. Hop, on va faire ça. J'aime bien le last build 54 ans avant. Donc là, ça marche pas. Ah. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un début de runner? Configure. Clone, plateforme, trigger.
Step, parallélisme, condition, routing. Quoi, routing? Non, d'accord, ok. Alors pourquoi le exec veut pas se lancer ou alors c'est parce que j'ai pas mis les bonnes overview. Ouais, donc a priori, il n'y a pas à s'emmerder. Ou alors il faudrait que je dégomme la partie plateforme, parce qu'en gros il est en train d'essayer de cibler quelque chose qui n'existe pas. Bon, ça commence bien. Alors au moins l'interaction entre drone et Gitti fonctionne. Alors déjà, c'est un premier morceau qui est pas trop mal. Hop, alors, le téléphone qui a sonné, merci. Mais du coup, je vais tenter environ la partie plateforme pour voir si ça. C'est rapide, hein. C'est-à-dire qu'à peine on pousse. Que ça nous crée une deuxième. Et là, on reste en pending quand même. Bon, alors. Ouais, mais ça va pas être pratique cette histoire. Ce qui est ouf, c'est que lui, il me sort aucun log. Alors, ce qui est ouf, c'est que ouais, c'est bien beau, mais. Ouais, non, le plateforme il est bien censé être supporté, il n'y a pas de souci. Hop, et hop, part en arrière. Ah oui, du coup on a les petits badges à mettre. Ok.
Bon, bon, c'est compliqué cette histoire. Alors, bon, déjà, c'est pas le manquement de. Là, je fais un log. On va faire un quoi? C'est revert pif. Hop. Avant de pousser, on va essayer de voir si on peut pas. Ah, on peut forcer le. D'accord. Ok, cool. On fait un clone, on peut forcer le truc à dire. Depth 50 ou Depth 1 si on veut cloner que la dernière révision. Parce que généralement, on a pas besoin de faire l'intégralité du truc. Ça, c'est une optimisation qui est sympa à faire quand on utilise des commandes à base de. Qui ou faire du git clone. L'idée, c'est de dire. Généralement, quand on clone, on n'a pas besoin de l'intégralité de l'historique de Git, parce que l'idée, c'est juste de récupérer la dernière version du code. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on clone juste. On met une de profondeur, donc on récupère que la version du dernier commit. Et comme ça, on ne télécharge pas l'intégralité de l'historique de Git, ce qui fait que sur des gros, gros dépôts, vous pouvez parfois vous éviter plusieurs gigaoctets de téléchargement sur des dépôts avec des gros historiques. On avait eu le tour avec. C'est le code source de Wiki de MediaWiki. Avec un futur ancien collègue de boulot. Quand il bossait sur la refonte et la migration de notre wiki interne sur OpenShift, en fait, on avait vu que les builds prenaient 4 plombes et en utilisant l'option devs-1, on s'économisait 1 gigaoctet de téléchargement. C'est toujours sympa. C'est toujours sympa. Alors, par contre, ça m'emmerde un petit peu quand même cette histoire. Pourquoi il démarre pas? Alors, ça va pas être là-dedans, ça va être. Oh, il est sympa aussi celui-là, drone canico. Celui-là, mais ce qui m'intéresse, from scratch avec un package.json, c'est oui, pourquoi pas. Hop là, ok, c'est pas ce que je cherche. Ça, c'est un plugin. Cherche juste le truc principal, le drone principal dans le guide. Je pourrais vérifier s'il n'y a pas une issue plutôt que de passer par une recherche quant classique.
Par exemple, hop. Ah bah si, il faut quand même installer un... Ouais. Ça parle de Linux, Mac, Windows. Ah, ça va pas être pratique, cette histoire. Si on retourne sur... Dans les charts, on avait quoi? Runner, cube, drone. Ah oui, donc en fait, j'ai pas le... Je vais juste être niqué en fait. Oh, pas de bol. Mais du coup, on peut lancer du Docker. D'accord, on peut utiliser le drone runner Docker. Et a priori, ça peut servir quand même dans Kubernetes. Oui. D'accord. En fait, ce truc-là, on pourrait l'installer. Donc, on pourrait tester un truc à base de Docker directement. Ouais, mais ça me fait peur, c'est ça. Parce qu'en fait, ce qui m'emmerde là-dedans, c'est que dans le values, voilà, on a un drone slash drone runner Docker. Je crois que celui-là, il me semble que j'avais regardé. À moins que ce soit le Kubernetes, je me souviens plus. Ceci dit, si le Kubernetes a été déprécié, peut-être que le Docker est plus complet, donc je vais peut-être m'en sortir mieux. Et du coup, j'aurais peut-être moins besoin de bricoler par rapport à ce que je fais. Par rapport à ce que je prévoyais. Oui, alors. Pouf, pouf. Qu'est-ce que je vais faire? Non, c'est ça. Et je vais faire ça. Donc il nous dit, oula, mise à jour il y a 7 mois. D'accord. Ouais, voilà le pro. Ah, je suis sauvé. Ah, ouf. Ok. Mais alors du coup, c'est quoi? C'est une version, il y a un tag arm spécifique à utiliser. C'est ça. Donc il va falloir que je... Quoique non, là, la version à 8.3 d'il y a 8 mois. Elle est multi-arch. Alors du coup, le chart, il fait quoi? Il récupère quelle version? 1.8.1. Et 1.8.1, il dit quoi, lui, le 1.8.1? On est encore sur les 1.8.2. Il n'y a pas de... Ouais, ça sent le chart Helm avec quand même le truc qui va demander... Alors, qui va demander de devoir gérer comme il faut. Bah, du coup, ça utilise Docker in Docker. C'est quand même pas le truc le plus... Le plus violent, puis le problème c'est que c'est pas Docker que j'ai sur mon Kubernetes, donc c'est pas qu'il fait pas peur, mais il fait un peu peur ce truc-là quand même. Ouais, donc non, c'est quand même pas bon cette histoire. Comment je vais faire moi? Donc en gros, je peux pas exécuter de... Ouais, j'ai l'impression que je vais pas être sorti de l'auberge avec mon avec mon histoire. Sont gentils, mais ouais, si on peut pas se passer de... Pardon, ça, si je le rafraîchis, je vais pas. Ok.
Ah, sympa, on a le statut de l'intégration en plus. Nice. Donc là, si je fais ça, j'arrive là. D'accord, ok. Ouais. Donc là, on fait quoi? Donc le Kubernetes, mais c'est bizarre, là, il est encore là. Et après, si je prends drone, drone runner cube. Cube, il est encore là, hein. Donc en fait je vais installer le runner cube, hein, et puis on va faire avec ça, hein. On va faire avec ça. Et puis bah du coup, s'il veut pas qu'on fasse le chart helm en disant qu'il faut passer par Docker, ce qui m'intéresse pas du tout parce que ça marchera pas. On va pas s'emmerder, on va utiliser un. On va faire ça, on va utiliser les manifestes, on va gérer ce truc-là. RPC host, RPC proto, RPC secret. Ouais, le RPC secret, il a été défini automatiquement, on l'avait vu dans. C'était là-dedans, je crois. Hein. Je prends le RPC token, ça doit être ça. Quoi que c'est RPC secret. C'est autre chose encore. Donc ça va être dans les secrets là. Oh bah non. Dans le deployment. Oh, oh non, non. Oublié de définir le RPC secret. C'est pas la première fois que je me vautre comme ça. Hein. Quoique non, ça va être ça, hein. Ça va être ce truc-là. Hein. Je vais le faire avec ça. Ouais, ça parle de drone token. Ouais, mais là, c'est encore autre chose, en fait. Non. Parce que là, le runner, il parle de RPC, donc... Ouais, on va voir. On va le tenter. On va le tenter. Qu'est-ce qu'il nous dit? Gna gna gna. Faire configuration pour voir tout.
On va laisser la plupart des trucs par défaut, je pense, hein. On va pas s'embêter. Le but du jeu, c'est de tenter d'avoir un truc qui marche, sachant qu'il est déjà 22h50, donc ça commence à faire tard. Surtout quand on est sur un autre fuseau horaire. N'est-ce pas? Alors, donc du coup... On va reprendre ce qu'ils nous mettent, hein, on va pas s'embêter. C'est là. On va se mettre là. C'est ça. Vim. Rhône-Runner-Rhône. Hop. Oh la vache, il m'a mis des numéros de... Ok. Hop, et le rôle. Hop, du coup. On apply le runner, il n'y a pas d'erreur. Ensuite, on va prendre le déploiement. Ouais, il est comme ça, hein, de toute façon. Oh là là, oh là là, oh là là, oh, il commence à se faire tard. Hein. Là, c'est la même. Hop, une copie un peu trop de lignes. Hop. Alors, hop, méta, machin. On va rajouter le namespace qui s'appelle drone. Le runner s'appelle drone. On va prendre la dernière version. Le port, ça va être 3000. Le RPC host, c'est drone.c666.eh. Le RPC proto CHTTPS et le token, on a dit qu'on allait prendre celui-là. Hop, voilà. Et donc, c'était apply-f drone runner deployment. Alors, donc là, il nous dit gna gna gna, kubectl apply. Oh merde! Oh la vache, j'ai pas fait gaffe, il a tout pété. Alors, c'est la merde, c'est la merde. Bah oui, c'est la merde. Donc là, j'ai pété drone, hein, pour info, parce qu'en fait, il a gardé le même nom de. J'ai pas fait attention, je suis allé trop vite. Il a gardé le même nom de déploiement et du coup, il faut plutôt que je refasse. Voilà. Oh, j'avais pas fait gaffe au message. Bon. Du coup, il nous dit quoi, lui? Ah, bah oui, tu m'étonnes. Hop. Non, mais... Bon. Ah, il fait quoi? Vas-y, délète-moi le deployment. Hop, délète-moi ça. On va carrément délète et on va relancer le. On va relancer ça. Après, je devrais le lancer en atomique parce que je fais vraiment n'importe quoi là. Ok. Et du coup.
Maintenant que j'ai fait ça, je peux faire mon apply. Voilà. Ouf. Et donc là, j'ai un drone runner et le drone runner, il m'a dit. Il dit que c'est pas bon, évidemment. Évidemment, évidemment que c'est pas bon. Ah, mais c'est pas vrai, garde-moi ça. Qu'est-ce que je voulais faire? Alors, je voulais. Je voulais. Eh oui, c'est celui-là. C'est celui-là, c'est celui-là. Du coup, on va faire un truc comme ça. Hein. On va pas s'embêter. Il est où? Il est là. Hop. Du coup, on va refaire un. Et je vais faire ça, tiens. Ça, on va rajouter le mode atomique pour voir. Pour attendre un peu. C'était rapide. Ok. Et il m'a redémarré l'appli ou. Ah ouais, 17 secondes, d'accord. Oh, putain, il va tellement vite. Ok. Et du coup, là, on a pris un bad gateway, tu m'étonnes. Du coup, faut que je refais. Ah, je vais y arriver. Là, je prends un authorized. C'est bien, ça change un peu. Oui, parce que maintenant j'ai un RPC. Avant, il n'y avait pas de RPC, donc en fait, le forbidden, c'était que le RPC n'était pas activé. Du coup, on modifie ça. Le RPC, c'est celui-là. On apply. Donc normalement. Il va. Ah, mais c'est pas vrai. Voilà. Donc là, le Kubernetes, le pipeline Kubernetes est plugué dessus. Donc on va revoir la configuration et on va tester du coup. On va pouvoir utiliser un truc à base d'images et lui dire typecab pipeline, le nom du pipeline. On va refaire notre exécution, puis on va faire un truc simple. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le service account name, on n'en a pas besoin pour l'instant. Je vais tenter. Oh, enfin, j'ai. Faut que je me mette les raccourcis clavier en main. Je suis vraiment désolé. Visuellement, c'est pas la folie, mais. Il y a quand même. Hop, on va faire ça. Name. Cube testing. Qu'on pourrait. Ça, hein. Ouais, c'est ça. On va faire ça. Et la commande. Les commandes d'ailleurs, on va mettre ça parce que c'est une liste. On va faire env tout simplement. Et puis, /etc/hostname. Faire ça comme ça, l'idée c'est de le tester. Commit-am 3 Kubernetes instead. Donc je pensais que le truc allait pouvoir gérer automatiquement à partir de.
Avec l'exec, je pensais qu'il allait automatiquement. Ouf! Ah, et là j'ai une erreur. Il me dit que le sync fonctionne pas. Oh bah c'est génial ça. Alors du coup. Non, ça c'est le runner. J'ai pas de message d'erreur. Je fais comment moi pour. C'est gentil les gaillards, ils parlent de sync error, mais. Alors peut-être que je fasse un. Ah bah voilà, c'est pour ça. Drone testing. Alors, try Kubernetes instead. Il a pas aimé. Secrets is forbidden. User. Service account default. Cannot create. Ah, d'accord. Oui, donc en fait, il faut quand même qu'on ait un service account, éventuellement, qui ait les droits de créer un secret dans. Mais pourquoi dans le namespace default? Ah bah ça fait partie des paramètres que j'ai pas mis et qu'il faut mettre. Retourner les docs, Seb. Ah oui, voilà. Voilà. Alors, évidemment. Hein. Évidemment, évidemment. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je vais. Oui, alors c'est là. Et c'est cet onglet-là. Voilà. Donc on va se rajouter un petit metadata. Namespace. Voilà. On va l'exécuter dans drone pour l'instant, puisqu'on n'a pas besoin que ça s'exécute directement dans le pipeline. Par contre, à tous les coups. Ça, c'est les metadata, donc ça, c'est cool. On a le namespace, on a la notation, etc. Les labels, on n'en a pas besoin. Les triggers, on s'en balèque. On peut. D'accord, on peut forcer les branches. Bon, ça, c'est normal. La plateforme. Ouais, on peut forcer ça. Oui, on va forcer ça, histoire d'être peinard. On va pas s'embêter. Non, ce qui va m'intéresser, ça va être sur le workspace. Non, c'est pas ça. Services. Non, ça c'est le nom des. Alors ça, c'est si on a besoin de dépendance pour exécuter pour exécuter son code, son pod, on peut démarrer des services pendant au moment de l'exécution. Par contre, alors pourquoi je vois pas le configure metadata trigger plateforme cloning? Non, ça c'est les options de clone dans les steps. Non, ça c'est quand on crée des steps, name bucket, machin, etc. On s'en fout. On peut exécuter des commandes, on peut rajouter de l'environnement dans le step, d'accord, tant mieux. On peut même rajouter des plugins. On peut rajouter des conditions. On a du failure, du détache, du privilege mode. Ah, ça va m'intéresser, ça. Pour les builds d'image. Les ressources limites, d'accord. Au niveau des plugins, on a quoi? Ça, c'est Notify, les secrets, registry. C'est quoi les tolérations? Non, ça c'est juste pour dire qu'on exécute sur des nodes en particulier. Le node selector, on s'en fout. Les volumes, on s'en fout. Quoi qu'on verra plus. Ah. On peut faire avec un PVC. On peut déclarer un claim. D'accord, donc je peux avoir un volume. M'intéresse pas forcément. Mais du coup. Au niveau des métadonnées, il y a quand même pas mal de choses. J'arrive pas à voir les triggers, d'accord. Donc on peut déclencher à partir de certains événements seulement. Status, target, cron, donc on s'en fout, c'est pas ça. Plateforme. Dans plateforme, j'ai que l'information du OS Linux Arch ARM 64 qu'on a rajouté. Merde, j'ai pas l'information par rapport à. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Overview. Service account name. Ah oui, donc je suis obligé de créer le service account. Bah, je vais reprendre celui.
Je l'ai créé en plus, je suis con. Où est-ce qu'on l'a mis? Non, ça c'est le dépôt, c'est pas le bon. Il est là. Là. On aurait dû l'appeler Drone Runner en fait, mais on a quoi? Resource secret, create delete, ouais bah ouais. Hein. Il s'appelle Drone, donc en fait c'est service account name, Drone. Voilà, je vais y arriver. Hein. Hop. Voilà. Là, je pousse. Je retourne voir. Là, il a gueulé tout de suite. Il l'a pas pris en compte. Il l'a pas pris en compte. Bon. Je pense qu'on va rester sur un semi-échec parce que je vois l'heure défiler et je pense qu'on va. On va laisser maturer ça. Faut que j'arrive à comprendre. J'essaye de comprendre pourquoi il veut pas prendre le. Mais il prend pas le service. Service account drone default. Pourquoi il veut absolument que ce soit default le service account? Parce que le service account drone n'existe pas. Je suis un boulet. Merci drone, il est là. Oh merde. Oh, et du coup j'ai encore fait des conneries. Ouais, bah oui, couillon. C'est encore moi qui me suis vautré. C'est encore moi qui me suis vautré. Là, service account. Drone. Namespace drone. J'ai pas une option retry dans le. Non, on relance à la main, c'est ça. Hop là. J'aimerais bien quand même qu'il se lance au moins une fois le bazar. Ah non, ça veut pas. Il y a un délire. Voilà, je me suis planté sur le. Pareil, je me suis encore planté sur le déploiement du. Du déploiement. Parce que le drone runner, il faudrait peut-être que je le fasse exé que je lui force l'exécution du service account drone,
qu'il utilise le même que... Où est-ce que c'est ça? Stratégie, spec, selector. Il est où? Mince, je ne sais plus comment on fait. Service account name, voilà, c'est ça. Et donc ça, c'est au niveau du restart policy, DNS policy. C'est quoi? C'est au niveau de l'aspect, c'est... Oh, à cette heure-ci, je vais sortir la règle. C'est dans l'aspect. Ok. Du coup... Qu'est-ce que j'ai? Prends pas la mallette là dans le... D'accord. Ouais, non, là c'est ça. Ah oui, mais hein, c'est vrai que j'ai un problème avec le copier-coller. Ça fait partie des petits glitches aussi que j'ai. Service account drone. Service account name drone. Ok, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Le drone runner, il vient de s'exécuter, il s'est bien paulé, d'accord. Du coup, on relance un build, on prend toujours main. Et là. Il va pas cracher une erreur tout de suite. Mais je vois rien qui tourne. Les logs disent rien. Ok, il a tenté, il a cloné, il a pris la branche, parfait. C'est ouf, il n'y a absolument aucun log. Bon, je pense qu'il va y avoir de la configuration à revoir. Donc là, je fais le env complet, je ressors pas mal de trucs, et après je etc hostname, où là je sors un drone machin. Je comprends pas. Ah ouais, j'ai à peine eu le temps de le voir et après il le supprime. D'accord, ok. Et ben ça marche. Ça a fonctionné. Nice. Incroyable. J'aurais mis le temps, mais au moins. J'ai ce que je voulais, c'est-à-dire une installation de drone qui fonctionne. Bon, de toute façon, je vais la sulfater hein, pour la refaire comme il faut. Il manque des trucs à droite à gauche, mais donc le Kubernetes runner fonctionne. Et donc, y a moyen de. Il y a moyen de commencer à faire des trucs intéressants. Alors du coup, tout à l'heure, comme je disais, une des prochaines étapes, ça va être de mettre en place un pipeline automatisé pour rebuilder des images. Fresh RSS, et en gros, je vais pouvoir passer par un outil, une utilitaire qui s'appelle IMG, qui a été. Comment? Alors, qui a plus beaucoup de maintenance maintenant, mais bon, qui a l'avantage de pouvoir faire du build d'image dans un pod Kubernetes.
Alors, il faut quand même de la, il faut quand même du unconfined apparemment, et ou du privilège au choix. Non, mais c'est les annotations en fait. Oui, c'est par rapport à ses comptes et à par mort. Manifestement, il y a quand même besoin de d'appel système, on va dire un peu tendu, mais qui du coup vont me permettre de pouvoir builder des images à l'intérieur de Kubernetes. Avec ce petit outil qui s'appelle IMG et qui du coup derrière on fait la même chose, c'est-à-dire qu'on on build l'image directement dans le. Donc la première étape va être de créer l'image, va être de la pousser. Donc pour rappel, ça va être poussé là hein, dans les packages. Je vais quand même m'assurer de faire tout le, toute la connexion avec l'utilisateur dédié drone, comme ça j'aurai le package direct, j'aurai les packages directement comme il faut avec les bonnes permissions. Comment? Et du coup, une fois que j'aurai cette image-là, je pourrai m'attaquer à créer un pipeline pour faire le build, pour refaire le build de l'image FreshRSS. Enfin, c'est surtout pour mettre à jour l'image FreshRSS. Basiquement, ça va être coucou, je fais un pull, je fais un from de l'image, je fais un apt update, apt upgrade clean, et je commit. Et une fois que j'ai ça, derrière, je vais déclencher. Je vais modifier mon déploiement pour utiliser cette image-là plutôt que l'image upstream. Et par la suite, je mettrai en place en parallèle, dans le même, pourquoi pas dans le même pipeline, le déclenchement du restart pour qu'il aille pouler la dernière image possible. Et pour ça, le déploiement, je le modifierais peut-être en faisant en sorte qu'il retélécharge l'image systématiquement. Et comme ça, j'ai juste à faire un rollout restart et il va forcer le retéléchargement de l'image quand il redémarre. C'est un peu plus lent, c'est pas forcément le plus optimisé. Maintenant, j'ai deux nœuds, le pod il se met à jour une fois. L'idée ce sera qu'il se mette à jour une fois par semaine et que je le sente même pas passer, quoi. Donc voilà. Et donc du coup, si on revient sur la page d'accueil, on a le recent activity, on a le drone testing qui est là, qui est très bien. Bon, et ben ma foi, c'était pas mal ça. Donc là maintenant, bon bah là c'était un dépôt exprès pour tester un truc bidon, mais on a un truc qui fonctionne. Je m'attendais à ce qu'il soit capable d'exécuter quand même un minimum d'actions sans être obligé de lancer un runner particulier. Je pensais que le service lui-même était capable d'exécuter au moins un certain niveau de commandes. Faudrait que je retourne voir comment ça a été. Parce que je sais que sur un. On a un cluster AKS sur Azure. Qui utilise ce setup Gitti et drone, qui avait d'ailleurs été mis en place par un collègue qui actuellement habite à Caen. Ça va encore être l'enfer pour trouver le moyen de se boire une bière. Qu'il avait mis en place à l'époque. Je me souviens pas qu'on ait eu à déployer un runner, parce que mine de rien, ça remonte à quand même un moment. Donc je m'y attendais pas. Enfin voilà. Donc c'est pas mal ça. C'est pas mal. Bon du coup. Ouais, bon, on aura encore mis 2h30. La semaine dernière, on a fait que discuter. Là, cette fois, on a juste bricolé souffert. Mais on est arrivé au bout du. Attends, il est en. Ah oui, il était en zoom. D'accord. On est quand même bien en zoom 133, faut pas déconner. Donc on est arrivé au bout de ce que je voulais faire. Donc ça, c'est cool.
Ça va vouloir dire aussi que je vais pouvoir commencer à me poser des questions sur. Donc j'ai dit le build d'image. Sur. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre aussi? Encore sur cette installation-là. Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus, j'ai oublié. J'ai complètement oublié, comme on dit. Bon. Ça me reviendra peut-être. J'avoue que je me souviens plus. Non, qu'est-ce que je vais avoir? Je suis en train de réfléchir, mais parce que là, pour le coup, mon cerveau est en train de brain fuck. Non, bon, on fera peut-être la, comment? La démonstration. Alors, je sais pas pour quel. Je sais pas encore trop pour quelle application, parce que dans Kubernetes on en a quelques-unes, mais en gros l'idée ce sera peut-être. Là pour le coup je serais peut-être obligé de split les dépôts. Parce que dans Kubernetes actuellement, en fait c'est un dépôt dans lequel j'ai toutes mes. Comment? Toutes mes applis. Bah, j'ai explicité qu'on s'occupera de FreshRSS, mais on fera peut-être quelque chose pour une autre appli pour montrer comment gérer un peu la mise à jour de la livraison, par exemple, ou de ce genre de choses. Ou en gros, on va juste, plutôt que de modifier à la main, d'appliquer Helm à la main, etc., on va regarder pour automatiser jusqu'à la livraison de. Le déploiement du service dans le cluster. Puisqu'on peut se permettre ça de toute façon. Une fois qu'on a le runner Kubernetes, on exécute à peu près les commandes qu'on veut, on se base sur l'image qu'on veut. Donc on peut faire à peu près tout ce qu'on veut en soi. Hein. Il suffit de dérouler les. Alors maintenant que on peut regarder le fichier YAML. Oh, putain, ça s'affiche pas gros. On peut exécuter tous les steps qu'on veut avec toutes les commandes qu'on veut. Et en soi, en termes de syntaxe, ça fait légèrement penser à ce qu'on peut avoir dans du script GitLab, où vous exécutez les commandes bash en fonction de l'image dont vous avez besoin. Si on a besoin de compiler un soft, bah les exemples de la doc montraient éventuellement. Comment dire, c'est quoi ça? D'accord. C'est pas grave, on l'a fait autrement. Quoi qu'on le fera peut-être en variable. C'est quoi? C'est dans les exemples? Voilà, dans les exemples, vous voyez, on a des exemples qui concernent énormément de langages. Et donc typiquement, on va pouvoir éventuellement tester. Donc dans ce genre de pipeline, vous pouvez déclarer des actions pour. Voilà, là ça parle de pytest. Ça, c'est le truc classique où vous exécutez comment? Où vous exécutez direct. Quoi? Ah oui, non, mais on va pas déconner non plus. Vous pouvez valider comment? La syntaxe de votre code, par exemple, ou la syntaxe. Faire des tests fonctionnels. Genre, j'ai fait quoi il n'y a pas longtemps? Alors non, je vais pas l'avoir là parce que je ne l'ai pas commit, mais quoique, j'ai fait quoi ces derniers temps? Oui, bah si, hein. C'est vrai qu'on avait fait le prototype de bot pour. Comment? Le prototype de bot, bah, en fait,
il y a des chances de pouvoir tester. Pas trop, parce que je crée principalement ce genre de choses. Comme en plus, c'est des fonctions qui exécutent des éléments qui viennent de Twitch, enfin de Twitch.io, et qui eux-mêmes après interagissent avec Twitch directement, donc c'est difficile à tester sans faire de conneries, mais du coup, sur un programme où vous créez vos propres classes, vos propres fonctions, vous pouvez créer des tests qui vont aller valider ces fonctions-là, et donc bah, il suffit de dire je fais le code, je le mets dans une branche à part, je pousse, et après bah, je vois ce qu'il me dit à l'exécution pour vérifier si tous les tests fonctionnent. Ça a l'avantage de limiter ce que les développeurs font sur leur propre poste. Ça permet de s'assurer que du coup, bah, quel que soit le développeur, quand il pousse, le code est testé de la même façon, dans un environnement qui est reproductible et indépendant. Et puis voilà, je repense à quand on va faire un peu de quand on va faire un peu de Terraform, on pourra envisager de j'ai l'intention de alors je sais pas s'il va fonctionner avec des hébergeurs comme Etsner par exemple, mais vous avez des outils comme un outil par exemple qui s'appelle TerraCost qui va permettre de faire une prédiction de facturation à partir de votre code Terraform. Donc vous faites votre code, vous le poussez, il va l'analyser, il va vous dire voilà, ça va vous coûter tant. Et quand vous rajoutez des ressources, il va vous dire ça va vous coûter tant en plus. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai envie de tester. Comment? TerraCost, et du coup ça c'est le genre de truc que j'ai envie d'avoir bon après manifestement ok donc ouais, il enregistre il lui faut une base de données et mais il faut que je regarde ce qu'il supporte comme faut que je regarde ce qu'il supporte ah mince comme provider pardon Mais je sais pas ce qu'il va supporter comme en Aquacost. En Aqua AWS, Azure, Google. Ouais, bon. On va avoir du mal à tester nous-mêmes, hein, j'ai l'impression. Ouais, pas de bol. En même temps, c'est ceux-là qui nous bassinent le plus et qui nous font payer le plus cher à chaque fois, donc forcément. Ça. Bon, ce sera peut-être pas du coup TerraCost, parce que je ne vais pas pouvoir le tester avec autre chose que. Mais si je regarde, on a quoi issu? Donc j'imagine que ça va être. Un reduce build, un supported resource output, ouais. Est-ce qu'on a des Terraform state file? Oui, ok, non. Accept anonymize Terraform plan, bof. Support GCP Resources, support Azure Resources, support AWS Resources. Ah oui, parce qu'en plus tous les types de ressources sont pas forcément d'accord, oui, ok. Ah oui, on est quand même pas sur du. D'accord, on est quand même pas sur quelque chose de très avancé en fait. C'est tout frais. Enfin voilà, bon sur ce, 23h30. On va arrêter là. Alors, le week-end prochain, je suis pas là. Je suis pas là parce que. Alors, vous le voyez pas trop. Vous le voyez pas trop, mais là, dans le coin, là, l'espèce de barre un peu noire, c'est mon ancien PC. Et lui, il part en Bretagne, donc il faut que j'aille le livrer. Enfin, je pars en Bretagne avec, et après on va le livrer ailleurs. Voilà. Mais du coup, donc il sera. Je vais enfin avoir de la place parce que là ça commence à prendre. Donc il n'y aura pas de live vendredi prochain. Je vais regarder début de semaine prochaine pour balancer celui-là sur YouTube.
Ah oui, tiens, j'ai testé aussi, du coup, je vais tester. J'avais zappé qu'on pouvait le faire. C'était au niveau de Twitch. En fait, par défaut, alors ils ont réduit. Avant, on gardait les lives restés en ligne 2 semaines avant d'être supprimés. Parce que forcément, je suis un poucet, donc j'ai le droit à rien. Et je veux pas lier un compte à Amazon Prime, donc j'ai pas le droit à un truc supplémentaire. Mais j'ai testé d'utiliser les moments forts pour au final mettre la vidéo en entier. Et normalement, les moments forts, a priori, restent en ligne plus longtemps que les vidéos de base qui sont supprimées au bout d'une semaine. Donc du coup, bah, j'ai testé avec celui de la semaine dernière. Et je vais voir si je vais pas à terme continuer ça, c'est-à-dire laisser le replay sur Twitch en moment fort, puisqu'a priori c'est faisable. Je continuerai à mettre sur YouTube de toute façon, parce que c'est vraiment le truc que je fais à long terme, entre guillemets. Parce que pour le coup, YouTube m'emmerde pas trop. De toute façon, j'ai toujours je garde les fichiers bruts chez moi. J'ai pas testé, tiens, je testerai peut-être dans le prochain live, dans 2 semaines, d'enregistrer en même temps en local le live plutôt que juste. Voilà, en gros, ce que je fais à chaque fois, c'est je coupe le live et je télécharge la vidéo de Twitch. Et c'est ce que je garde comme fichier de travail brut. Parce que de toute façon, j'encode et je upload en H264, donc je récupère le fichier comme si je l'avais enregistré en local, avec les paramètres de Twitch. Mais je pourrais l'enregistrer en meilleure qualité, je pense, en local, puisque je pourrais en plus, 7900 XT oblige, je pourrais enregistrer en AV1. Sans trop de problèmes, je pense. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faudra que je teste. Alors, je le testerai peut-être dans d'autres conditions, sur YouTube, etc. On verra, mais. Pas bon, tout ça, vous aurez le fin mot de l'histoire dans 2 semaines. Et donc, d'ici là, bon week-end, bonne semaine prochaine, et puis. À plus sur le net. Ciao, ciao! Il est où? Il est où? Il est où? Je le vois plus. Yeah. Ciao, ciao!